la communauté karatéka ne s'avoue pas vaincue. Convié pour la première fois de son histoire au JO de Tokyo en 2020, l'art martial japonais n'a en revanche pas été retenu par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, présidé par Tony Estanguet. Le karaté avait un dossier très sérieux, mais il y a d'autres sports. Ce n'était pas un choix facile. Franchement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ouais, allez, c'est parti, on s'échauffe. Entretien. Surf, escalade, skateboard ou encore breakdance ont été préférés au karaté. Paris veut rajeunir ses jeux, mais les choix de Tony Estanguet restent incompris sur les tatamis. On avait beaucoup d'espoir en quelqu'un comme lui parce que c'est quelqu'un qui vient d'un sport peu populaire, canoë-kayak, peu médiatisé. S'il y avait bien une personne pour nous comprendre et comprendre les années d'envie d'entrer aux Jeux Olympiques, c'était bien cette personne-là. Vernon est le meilleur club normand de la discipline. Dans ses rangs, des champions nationaux et internationaux, comme Bora et Dunia. De jeunes athlètes, programmés depuis de nombreuses années pour briller à Paris. Je suis choquée, enfin, j'arrive pas vraiment à tout donner aux entraînements. Je me dis que je me bats pour l'international, mais pas pour les JO. Enfin, c'était vraiment un de mes rêves. Une médaille aux JO, c'est graver son nom à jamais au karaté. Et puis c'est vraiment un investissement sur lequel on est perdant. Nous, on s'investit quand même. Et quand même de recevoir un autre sport à la place du karaté en 2024, ça fait quand même un peu mal. Donc du coup, on est forcément déçu, mais on continue à travailler. Donc là, le rythme, un peu, je ressors. Accessible, spectaculaire et populaire. Autant de valeurs chères à l'olympisme. Avec 250 000 licenciés en France et 110 millions dans le monde, le karaté entend bien mettre toutes ses forces dans la bataille avant de rendre les armes. Il y a eu une proposition injuste, mais ça reste qu'une proposition. On prend encore nos chances, on espère que le CEO reviendra à la raison et tant qu'on ne nous aura pas dit jamais, on continuera à combattre comme on l'a toujours fait. Le comité international olympique aura le dernier mot. Verdict en 2020 après les JO de Tokyo. Ouais. Là où le karaté pourra faire la démonstration de sa légitimité.